It's only you I see. We're drunk at the bar for the second time this week. I get so disheartened lately when you say you're going home. And now my mind is blowing and my heart is racing. And now the question that I'm slowly on va faire un petit apéro et pour ça du coup Moni va m'aider aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'elle a prévu? Regardez, beaucoup de trucs, mais vous allez voir, il y a des choses qui sont très faciles à faire et il y a des choses qui sont un peu moins faciles à faire. On va trop qu'on traîne parce qu'il y a les samoussas qui prennent un peu plus de temps. Ah oui, tout à fait. Voilà. On n'est pas... Tu te souviens quand tu descendais? Je le fais bien. Personne ne te fait comme ça. Et il dit, en fait, l'astuce, c'est de garder le dos bien. Allez, je me lance. Vous voyez, on dirait tout à fait que je descends des escaliers. Mais en fait, je plie les genoux à chaque fois que je fais un pas. Du coup, on a l'impression qu'il y a des marches, mais en fait, qu'il n'y en a pas. Alors, allez, let's go. Du coup, pour les préparatifs, je t'explique. Ce que je pensais faire, c'était un plateau. Où on met le fromage, la charcute, une assiette avec les pizzas, des bols avec les chips, avec les bougères, des bols avec les trucs là, un bol avec les petits samoussas et c'est tout. D'accord, bon, ouais. Mais est-ce que je commencerai pas par les samoussas et à mettre tout dans le four? Si, je pense. Qu'est-ce qu'il y a à mettre dans le four? Couteau pour égorger. Oh. Ouais, on a une heure. Les samoussas, les trucs. Mais samoussas, je vais les faire maintenant. Laisse béton. Vous nous dites hein, si vous êtes dans qu'on goûte. Qu'on goûte. Je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Ok. T'as vu, regarde, je fais des pains de pizza. Oh. Comparé à la dernière vidéo que j'ai sortie la dernière fois, donc celle qui va sortir demain, où vraiment tu ne faisais rien, là il n'y a que toi qui pousse. Mais c'est vrai. J'espère que je serai payée à la fin. Bien sûr. Attends, moi on fait des roses. Oh, je crois que je sais. Faut que tu prennes un verre et le mettez à chaque fois comme ça en quinconce. Alors, imaginons qu'on fait ça. On va faire au beurre. Vous allez voir en direct si ça marche. Verdict, vas-y. Mais ça a trop marché. C'est pour faire une rose de viande? Ouais. Une rose de viande. Mais attends. Oh, ça a trop marché. C'est stylé, non? Ouais. Attends, mais tu l'as abîmé, non? Quoi? Ouais, là, comme ça, ouais. Avec les pétales ouvertes. Ah, là, elle est belle. Bien joué, mon frère. Et voilà. Je propose un autre plan. On mettra la vidéo c'est de référence. Avec... Ça c'est vraiment un truc, en gros, mon père il déteste, enfin notre père, je dis mon père, il déteste les gros mots. Et quand on dit des gros mots, et bah du coup, à chaque fois, il le répète en mode, par exemple tu dis putain, et il fait putain. Et du coup après tu t'en souviens, hein. Après putain, je t'avoue que je le dis un peu des fois. Oui, mais jamais en présence de lui. Non, mais j'essaie de dire plus purée, même quand je suis toute seule, tu vois, j'essaie de dire purée. Il regarde vos vlogs? Des fois, ouais. Je lui passe le bonjour, hein. Ah, ouais. Coucou Lidou. In vovo. Je crois que je les ai pas assez serrés. Et ça, maman va pas être contente. Après, c'est pas ça va parce qu'ils vont mettre plongés dans la friture. Ah ouais, t'as raison. Je vous l'ai déjà dit, hein, si vous regardez les vidéos depuis un moment, vous savez que... On a dit avec Moni et Bobo, on est full même. J'adore recevoir, mais j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un lieu pour recevoir. Et c'est ce que je disais aussi avant, je sais pas si tu te souviens, mais c'est toujours, ça a toujours été nous à la maison qui recevait quand on était chez papa maman. C'est vrai. Genre quand on faisait des trucs en famille, tout le monde venait à la maison. Quand on était avec les cousins, c'était à la maison. Et en fait, c'est un truc qui... Bah c'est ça, c'était un peu toujours la maison du content, t'as les cousins à la maison, tout le monde dort à la maison, genre... Et ça crée un peu cet effet colonie de vacances que j'adore moi, du coup, tu vois. Et du coup, le fait de pas pouvoir recevoir pendant un moment, bah m'a déshabituée de ça. Et du coup, je suis trop contente maintenant qu'on a emménagé de pouvoir le refaire à nouveau. Ça me rappelle un petit peu la Yenesse, comme ils disent avec l'accent espagnol. La Yenesse est pas la...
Non, non, je vais pas la faire. C'est quoi les trucs que tu préfères quand tu fais des apéros? Moi? Les trucs que tu préfères bouffer, ouais. Moi? Non, non, pas toi, non. Oui, mais qu'est-ce que j'adore bouffer? Oui. Je sais pas. Y a pas un truc genre tu te dis, putain, quand il y a ça. Bah là, t'as deux jeux. Si, mais toi, je sais que c'est les feuilletés. Les petits. Ouais. So, I know you. Je sais que c'est mon truc. I fucking know you. You fucking know me. I fucking know you. Est-ce que tu sais. Ça, c'est une ref aussi, hein. You never see me. Ingui, Jeremy. Ah non, c'est pas ça. Je pensais pas à ça. I fucking know you. Non, je sais, mais c'est encore une autre référence croisée. C'est Justin Timberlake dans son clip. Ah, what goes around? Goes around. J'aime bien la tapenade verte en vrai. T'as déjà goûté celle du père de Joe? Non, parce que je la connais pas. Ouais. T'es déjà venu chez Joe et on a déjà demandé à son père de faire de la tapenade, non? Je me souviens plus, mais. C'est pas vrai. Comme ça, si on fait par exemple, je sais pas moi, une soirée pour se connaître, on pourra faire de la tapenade. Ouais, grave. Une soirée pour se connaître. Ouais. On a commencé The Wolf Among Us avec Moni, je vais pas vous mentir. Elle adore ce jeu. Et toi, t'aimes bien. Et on prend que des décisions de merde. C'est tout le monde est mort. Et pourtant, Dieu sait qu'on essaie de. On essaye. On prône le dialogue et pas la violence. Mais Dieu sait que tout le monde veut nous taper dessus. Mais grave, c'est quoi la morale que tu retiens de ça? Tapez-vous et au moins vous survivrez. Bah, en fait, t'as beau faire quoi que ce soit, bah tu te feras toujours taper dessus alors t'as ton promis. Bah, apparemment, voilà. Ça me dégoûte. Salut l'équipe. Ça, c'est ma marque de fabrique dans cette chaîne. Oui, c'est vrai. De quoi la poubelle? Non, je rigole. Oh, Moni! Il m'a tendu la perche! Comme le même avec le chat et la meuf. Si vous avez pas la rêve, d'ailleurs, c'est la dernière photo de mon dernier post sur Insta. Regardez là! Ça s'appelle des gousères. Et non pas des gousères. Oh non, ça n'a rien à voir. Regardez là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est mon plateau. C'est la première fois de ma vie que je fais les samosas. Maman, si tu me regardes. Désolée. Oh non. Désolée, j'ai jamais appris. Et Dieu sait que tu les fais merveilleusement bien. Mais il y a une première fois, tout. Alors déjà, je pense qu'il faut pas le mettre comme ça, mais c'est pas grave. Je vais suivre mon instinct. En théorie, c'est un triangle. Si c'est un triangle, ça voudrait dire qu'il faut faire un triangle, non? Comment tu fais là? Que à chaque fois que tu plies vers un autre point, faut que tu fasses en sorte que en haut tu puisses le refermer. Oh shit! Ça se déchire! Regardez là! Comment on fait là? Je vais le laisser comme ça, personne ne saura rien. I feel it good! I feel good. I'm cool and I would not. J'ai envie de te défoncer là. So good. So good. I got you. On va couper avec Moni parce que là on s'embête à faire les 100 boss. Et on se disait, imagine en vrai, on les fait, on l'a même pas goûté. Et imagine personne aime. Genre, c'est le dernier truc qui va rester sur la table. À la fin, tu fais un petit son ou quoi? Les gens vont. Regardez ça, le coup. Non, j'étais un. Joli plateau avec une jolie rose. Là, on a les petits sans bosse, du coup, avec un petit peu, si jamais, de miel pour ceux qui aiment chèvre miel. Les feuilletés, les nuggets, les gougères et un autre type de sans bosse. Chicken McNuggets. McNuggets. Les jalapenos, il y a des chips en al forno. Là. Je meurs de chaud, t'as chaud toi, ça va? Non, je me suis déshydratée, donc c'est bon. Je me suis hydratée. Parce que si t'es déshydratée, t'es une cips. Fais exprès. Ça veut dire que j'ai chaud. Elle m'a bien eu. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous faire un petit retour, je pense, demain. Puisque l'idée, c'est maintenant, on a fait tous les préparatifs. C'est de savoir aussi si...
tient au courant, je pense que je filmerai 2-3 plans histoire de pour vous montrer un petit peu. On va rester un petit peu en intimité ce soir et puis après je vous montrerai demain. Allez, à demain. Tulips so and daisies are your favorite flowers. Et voilà, le week-end se termine. C'était un trop bon week-end. Je suis hyper contente. La soirée était trop cool aussi. J'ai eu l'occasion de parler davantage avec plein de personnes et on était vraiment entouré de personnes avec qui ça match absolument. Donc écoutez, je suis trop contente. On a passé une trop bonne soirée. Aujourd'hui, on a passé une super bonne journée aussi. Comme vous pouvez le voir, voilà, pas très bon. Je vais aller me tartiner dès à présent. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point aussi et ça me ravit vraiment de pouvoir recevoir tranquillement, de pouvoir accueillir tout le monde chaleureusement, que tout le monde aussi puisse se sentir chez soi, que ce soit un peu, que tout le monde se sente bien en fait ici, d'avoir suffisamment d'espace pour aussi recevoir tout le monde. Vraiment, c'est un énorme step pour nous et puis c'est aussi un vrai plaisir en fait. Avec Joe, on adore se dire que les gens, quand ils viennent, ils se sentent bien. En attendant, du coup, écoutez les gars, j'espère que ça vous a plu de passer ce petit moment avec nous pour la petite anecdote, pour les samoussas. Ça a été apprécié aussi, il en restait plus un seul. Je suis contente, avec Moni, on a bien bossé. Donc c'est trop cool. En tout cas, merci à tous d'avoir passé ce petit temps avec nous comme d'habitude. On se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Et puis, bah écoutez, bisous les gars. Je te dis tout de suite, on fait le prochain arbre. You young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. Kicked around too many times. I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a